Bonjour à toutes et à tous, Méminou et Méminette. Miaou. Dis bonjour aussi, ma mère Terlassou. Ok, donc nous voilà repartis sur une nouvelle vidéo d'Okami. Pour poursuivre notre belle épopée avec ce beau loup blanc. Oui, parce que nous sommes mortels, hein. Nous devrions le voir cette déesse du soleil tel un loup merveilleusement blanchi comme vos dents après, je vais peut-être arrêter là parce que ça devient chelou. Donc voilà, nous continuons tout simplement notre avancée. Alors j'ai remis la résolution des graphismes natifs au minimum. Parce que je sais pas pourquoi, mais l'épisode d'avant, j'ai pu les mettre à fond. Et là, même à deux, un petit peu, ça fait énormément de lag le jeu. Je vois pas pourquoi, mais... Pourtant, comme la dernière fois, y a rien d'autre d'allumé, tout ça. Enfin bon. Vous auriez eu, pendant l'espace d'un épisode, les graphismes à fond. C'est déjà ça. Écoutez. Bien. Je pense que je vais écouler de la marchandise avant de repartir. Peut-être que ton maître t'a envoyé faire les courses. Faire les courses, oui. Acheter. Sac à aliments. Graines. Des graines légèrement grillées. Les animaux ne peuvent y résister. Les animaux herbivores en raffolent. Sac à aliments. De la viande rouge irrésistible. Oula. Renvoie temporairement les attaques. Parchemin de sortilège karmique. Saké de points de fer. Augmente temporairement l'attaque. Augmente temporairement la défense. Saké préféré des moines. Restaure 3 solides. Ah, ça c'est bien ça. Le plat favori d'Amatel Lassou. On va en prendre un. Et comment dire, on va en prendre un de chaque. Voilà, comme ça on est sûr. Je sais pas. Franchement, je pense que ce serait bien de vendre le charme d'exorcisme. Je fais peut-être une grosse connerie. Mais on va le vendre. Voilà. Je suis peut-être un fou, je pense, hein, parce que c'est quand même un objet spécial. Mais si on peut le vendre, ça veut dire que bon, ça, c'est pas un objet qu'on a forcément besoin pour continuer, vous savez. Les plaines de Shinsu. Hein ? Ama, je suis sûr que tu le sais déjà, mais nous sommes ici dans la plaine de Shinsu. La plus belle du Nippon. Enfin, elle est censée l'être. Mais depuis cet incident, j'ai un mauvais pressentiment. Soyons bien sur nos gardes. Tu peux consulter la carte en appuyant sur la touche L2. Vérifie bien notre position au fur et à mesure de notre progression. Ça va. Te fais pas de moraux. Oula, il se passe quoi là? Ok, les armes sont réapparues. Tout va bien. Ok, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Ama, c'est l'arbre qui est indiqué sur notre carte. C'est censé être un endroit de repos pour les voyageurs, mais on dirait qu'il est sur le point de s'écrouler. Cet endroit est maudit. Ces endroits où le mal s'est ancré, où les yokai tourmentent la nature, sont tout simplement eux. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi important. Le mal a corrompu la nature de cet endroit, même cet arbre. Quel genre de créature a le pouvoir de faire ça? Un dieu? Cet arbre est un avatar de Sakuya. Il protège la nature de cet endroit. Peut-être la nature retrouvera sa beauté si nous le ravivons. Mais comment faire? Ah bah, trouver un pouvoir exprès pour. Allez, je suis d'humeur à me faire un petit combat. Ok.
suivant. Et allez, un gros. C'est bien tout ça. Ok, un combat de fées. Par contre, je vais vous laisser là une seconde. Je vous reprends après une ellipse. Heureux. Donc en fait, oui, j'avais laissé un paramètre un peu trop haut. Ce qui fait que... Bah, bizarrement, ça ralentissait un peu. Mais nous devrions plus avoir ce souci. Ah ouais, c'est vrai que lui... D'accord. Ok, nous avons reçu un croc au moins. Bon, le temps, bah, il est pas ouf. Mais bon, c'est toujours ça. Tous ceux qui sont sur notre chemin, je les combattrai. Ah, tu crois ça? Allez, un croc en plus. Pour croc blanc. MDR. Référence, référence. Ah sérieux, le temps il est aussi bas que ça? Bon bah soit hein. Tant pis. Alors je sais pas vraiment ce qu'on a reçu, je pense des graines pour animaux. Non, d'une ganja. Que s'est-il passé mon frère? J'étais en train de couper du bois et de communiquer. Enfin, et de communier avec la nature, quand j'ai entendu un grondement venant du lac. Un tremblement de terre, puis un vent poussant ont surgi de nulle part. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, c'était la pagaille partout, mon frère. Tout ce que j'ai construit a disparu. À la place se trouve cet endroit maudit. Mais la nature doit être en colère. Pas bon, mon frère. Pas bon du tout. Tout ce que je veux, c'est vivre en harmonie avec la terre. J'ai vu quelqu'un courir du lac vers le village de Kabiki. J'espère qu'il va bien et que Mère Nature le protège. Il est un peu chelou ce gars-là, mais bon. C'est pas grave. Il a aussi une porte automatisée. Ça par contre, c'est réellement bizarre. Je peux pas prendre ça? Visiblement non. Ok, je peux pas non plus. Ah bah voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Bon, ça nous a pas... Ça nous a pas permis d'en gagner plus, mais on a gagné des trucs. C'est déjà ça. Zone suivante, du coup. La vallée de Hanazaki. Une petite sauvegarde. Ok, c'est parti. On a coupé le coffre en même temps, c'est super. Une amulette du voyageur. Protège les voyageurs du danger. Augmente la divinité d'un niveau. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Allez, ça fait des crocs en plus.
Il a cru qu'il allait m'avoir comme ça, lui. Eh, hey, j'ai pas eu ma croix. Comment ça cela se fait-il? Ah là, normalement, je devrais l'avoir. Ouais, voilà. Une croix en plus. Enfin, un croc en plus. Ah bah voilà, le temps il est bon ce coup-ci. 1200 Rio de gagné. Hein? On s'est débarrassé des yokai, alors pourquoi les kami n'ont pas retrouvé leur pouvoir? La malédiction doit être vraiment puissante sur cette terre. Il faut trouver un moyen de supprimer cette atmosphère putride. On va s'en charger, ne t'en fais pas. Vous obtenez sac aliments poisson. J'aurais peut-être mieux fait de pas en acheter en fait, vu que j'en trouve. Eh, hey, regarde cet arbre, il bouge. Amma, sois prudent. Amma, viens-tu de faire ce que je pense? As-tu utilisé la lame lumière pour envoyer le fruit vers l'arbre? Eh hé, hey, bien joué, il faut combattre le feu par le feu. Allez, Zou, ne traînons pas là. Profitons-en pour passer. Ok, alors ça vient de changer. Ah, mais le soleil doit être parti, je pense. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Ouais, c'est par là. De justesse. Ok, d'accord. Ah bah il a réussi à venir jusqu'ici lui en tout cas. Oh oh, un nouvel ennemi. Yeah, c'est parti. Allez mon gros, viens te fight. Ok. Ces crocs-là sont à moi. Alors, comment on combat cet ennemi? Il a l'air puissant. Il a l'air puissant. Alors par contre, là, pour tourner la caméra, c'est plutôt... Ah, ou alors, peut-être que d'abord... Non, ça marche pas comme ça. Ah, regardez. Et bim. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais bon. Ah, il y avait des Rio, j'aurais dû les ramasser. C'est quoi ce vacarme? Encore toi? Sa capuce. Par tous les diables. Que fais-tu ici?
À la niche, je t'ai déjà dit que je ne cherchais pas de disciples. La vallée de Hanazaki n'est pas une place pour un cabot comme toi. C'est ici que se trouve mon camp d'entraînement secret. C'est parfait pour se cacher. Je veux dire, s'entraîner. Allez, où ? Fiche-moi le camp. Ouais. C'est étrange, je suis sûr qu'il existe un passage par ici. Qu'est-ce que tu veux? Allez, Oust, va voir là-bas si j'y suis. Mais oui. Pfiou, regarde un peu cette gigantesque peinture murale. Il paraît qu'une sphère de cristal qui a le pouvoir de faire grandir les arbres est conservée ici. Si on se base sur cette fresque, on peut penser que c'est vrai, mais il y a quelque chose d'étrange. Tu trouves pas qu'il manque quelque chose sur cette peinture? Si, bien sûr. Oui, il était un peu trop gros, j'avoue, mais bon, quand même. Par tous les kami, que s'est-il passé? Bah, peu importe. Maintenant, je peux tranquillement me... je veux dire, m'entraîner. Ouais. De l'eau bien boueuse. Allez hop. Quel endroit bizarre. Serait-ce le terrain d'entraînement secret dont parlait Susano? Tiens d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé le papy? Ouf, on s'emmerdera pas avec lui. D'accord. Non, non. Je sais très bien ce que c'est. D'abord allons par là. Voilà. Non, en fait ça c'est juste un point de sauvegarde. Parfait. Ouais, on va utiliser au moins 5 emplacements, ça sera suffisant. Ah! Quoi encore? Toi, espèce de démon, comment t'es-tu introduit ici? Démon? Tu as du cran de venir me défier dans ma salle d'entraînement privée. Maintenant, tu vas goûter à l'une de mes nouvelles techniques secrètes. Eh hey papy, le démon dont tu parles n'est qu'un ours endormi. Inutile de m'arrêter. Ma lame réclame son lot de sang. Fini les palabres. Voici eux. Technique secrète Susano. Sou. Ça. Oh. Susano. Et pour finir en beauté, implosion infinie. Oh, pauvre ouf. Ça t'apprendra, bête idiote. Tu n'as aucune chance contre ma nouvelle technique. Oh.
Repose en paix, vile créature. Le grand guerrier Susano condamne le crime, pas le criminel. D'autres monstres attendent d'être châtiés de ma main. Ok, donc maintenant, en tout cas, on a ce qu'il faut. Eh, on la déplace plus facilement que prévu. C'est bien, en plus, il y a les rebords. On dirait que c'est fait exprès pour. Bah, du coup, c'est fait exprès pour. Alors, ici. Mais t'inquiète, je sais déjà ce qu'il faut faire. Ah, regardez, apprends, Isun. Ah, j'ai bloqué ma boule! Je veux plus rentrer l'écran des mots de passe. Lol. Ah! Viens ici, satané. Boule de bowling. Allez, on l'a fait bien rentrer. Oui, voilà. Eh bien, il y a des gens qui ont du temps à perdre pour mettre tout ça en place. C'était la sphère de la peinture. Et bon, bah du coup, oui, voilà. Je suis sûr que ce n'est pas une sphère de cristal ordinaire. Et bim! Pouf, un arbre. Regarde, ça ne serait pas un arbre gardien? Il est tout flétri comme les autres arbres. Que... qui a éteint les lumières? Ama, une autre constellation est apparue. On va finir par être constellationniste, hein, comme dans Fairy Tail, lol. Ah, je connais la chanson. Enfin, du moins, on. J'ai l'impression qu'il te manque une étoile. Essaye de dessiner toutes les étoiles d'une fois. Ah, il faut dessiner toutes les étoiles. Ah oui, mais c'est vrai, je suis con. Qu'est-ce donc que ça? Ah, c'est un singe. Oh, Amaterasu, déesse de la lumière et notre mère à tous. Sakigami, accepte ma gratitude pour m'avoir libéré de mon sommeil. Je t'offre cet humble présent en échange de ta grande bonté. Moi, Sakigami, l'une des divinités de la flore, je te donne mon pouvoir. Utilise-le à bon escient. C'était Sakigami, un des dieux de la flore. Apparemment, la technique de la floraison peut faire renaître les fleurs en dessinant un cercle sur les arbres morts. Eh, hey, peut-être que tu peux aussi renaître les arbres gardiens. Peut-être. Et voici la nature en train de revivre. Waouh! Ah oui, d'accord. Waouh, regarde comme tout a refleuri.
Sakuya ne plaisantait pas à propos du pouvoir des arbres gardiens. Voilà à quoi ressemble la vallée de Hanazaki. La magie de Sakuya à travers l'arbre gardien a dissipé la malédiction des yokai. Même si les kami ont perdu une partie de leur pouvoir, il faut être sacrément costaud pour terrasser un arbre gardien si grand. Même si tu es la réincarnation de Shiranui, on risque de se frotter à plus fort que nous. Hé, hey, Ama, tu as pensé à l'arbre gardien flétri dehors? Je suis sûr que tu peux le ramener à la vie comme celui-là. En lui redonnant ses pouvoirs, on devrait lever la malédiction qui sévit là-bas aussi. Allez hop, qu'est-ce qu'on attend? J'en suis un peu moins sûr. Je pense qu'on peut le faire, mais... Je pense pas trop non plus. Je sais plus exactement si Ama en est capable. On va les vérifier. Ah ah, petit combat. Petit combat. N'est-ce pas? Allez, un croc. Arrête de faire ton singe. Et laisse-moi me battre avec les vrais. On va peut-être d'abord le mouiller, le mec. Attention. Ah oui, mais c'est quand il attaque qu'il est vulnérable. Merde. Ah, j'ai pas eu sa croc. Ah, fait chier. Bon bah, tant pis. Tant pis. Cependant, nous avons réussi. Allez, on va leur donner un peu à manger. Les animaux ne peuvent y résister. Oui, donc c'est bien cela. Passer. +9, c'est pas mal. C'est une fresque d'un ancien rituel. C'est pas trop mal pour du travail d'amateur. Eh mais attendez, non, je reviens en arrière, là, je suis con. Ok, je suis bête. Hein. Bah, ce vieil arbre tout pourri ne peut pas abandonner. J'ai une idée, écoute bien, Ama. Essaie de lui renvoyer son fruit. Lorsque l'arbre est sonné, utilise la floraison pour le purifier. Allez hop. Plein de fruits pour récompenser. Cette statue bouddhique est toute poussiéreuse. C'est la preuve qu'elle protège les voyageurs depuis des lustres. Hey Ama, attends un peu. La vallée de Hanazaki a retrouvé de sa splendeur, mais c'est quoi ce carré d'herbe tout lugubre? Utilise le pouvoir de la floraison pour arranger tout ça. Barbouille comme tu peux avec le pinceau, la floraison fleurera le reste. Ok, vous avez obtenu le pouvoir de la floraison. Criblez le sol de trous avec votre pinceau. Des arbres pousseront alors subitement, perturbant vos ennemis. Avec la force vitale de la nature repoussera vos adversaires.
Regarde, il y avait un manuscrit caché. Ama, on dirait un guide de voyageurs. Un artiste itinérant a écrit le récit de ses aventures à travers le pays. Le manuscrit original aurait valu une fortune, mais là, ce n'est qu'une copie. Ça ne te rapportera rien en la revendant. Ama, si jamais tu veux lire les manuscrits récoltés, appuie sur la touche Start pour ouvrir l'éventail. Ce qu'il y a d'écrit dans les manuscrits va sûrement te sembler évident, mais ça devrait t'aider pour la suite. Je suis là, hein. Ah, il m'a repéré, enfin. Ah merde. Ok, là c'est bon. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Ok, d'accord. Il y en a encore deux sur notre chemin. Alors hop. Là c'est bon également. Ah, il m'a eu. Et voilà, c'est quand même plus 3, hein. Donc chaque âme est bon à prendre. Ah, un petit combat. Ok. Vous obtenez Globe spirituel. Symbole de la croyance des hommes, restaure un peu l'énergie solaire. Et un croc pour moi. Ah tiens, un coffre au trésor. D'accord, alors on peut pas nager trop longtemps non plus. Vous obtenez creuser des trous. De précieuses informations écrites pour... D'accord. Ça je le sais déjà, effectivement. C'est quoi ça là-bas? Ah oui, d'accord, on doit creuser, non? Eh oui, voilà. Ok, d'accord. Ça me va. Allez, une petite sauvegarde. D'ailleurs, vous savez quoi? On va se laisser ici. On va pas aller directement, comment dire, raviver l'autre arbre. On le verra dans le prochain épisode. Donc celui-ci est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à pousser et à partager la vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour de nouvelles prochaines vidéos. Ciao, ciao, mes minous. Miaou.